Ok. Donc, on vient d'apprendre que maman est vivante. Pas forcément dans un bon état, mais vivante. C'est déjà ça. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Ah J'ai oui, décidé de revenir ici. Allons-y. Petit truc que je sais. Alors le petit frère va pas mourir parce que en fait sur l'affiche du 2, sur A Plague Tale Requiem, on les voit ensemble. Donc Prends ton fusil et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. attends, on est où? Je dois aller où? Vers le pont ou? Je sais pas. On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Ok. Tout a l'air Je vais complètement déjà repartir un perdu. coup dans l'autre sens pour Ça nous vient voir. du vieux monde. Ah, 2 secondes. Re, voilà, c'est bon. Comment tu peux rester aussi calme? Amicia. Oui. Pourquoi je peux plus avancer? Ah, ok. Ninja? Pas ninja. Ok. Je dois faire quoi? C'est quoi? Chercher les remèdes. Ok, oui, ok. C'est notre. L'étendard de l'Inquisition. Ils Ok. sont encore là? Soyons prudents. Inquisition! Destruction! Je peux crafter des trucs ou pas? Attends. J'ai une nouvelle fleur. Ouais, je peux rien crafter. Attends, 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 attends. Je dis je peux rien crafter, mais alors j'ai quoi? J'ai. C'est quoi ça? Anti-feu. Un dodo. Un truc explosif. Ok, j'ai à peu près un de tout. Ah, c'est un caillou. Ok, bon, ça c'est juste un caillou. Donc, s'il y a besoin, on revient. Tombe pas, ne tombe pas. T'as compris? Ne tombe pas. Allez, ne tombe pas. Le mec, il le pousse. C'est quoi ça? C'est un oiseau? Ah non, c'était pas un oiseau. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Attention, Lucas! Mais qu'est-ce qui leur prend? Des Je rats? sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens, il y a forcément une raison. Alors, d'après ce que je vois, je vais essayer d'analyser ce que je... et comprendre ce que je vois. Il y a un espèce de machin qui gicle et les rats tournent autour. Ok. Il y aura sûrement un moment une. Ok. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a le truc qui gicle au milieu et il y a les rats. Alors à moins que le truc qui gicle, ça vienne des rats eux-mêmes. Je me pose des questions.
Ok. Pam, 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 pam. Ok, je peux pas aller là. Regarde, ça c'était le pont. Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Mais leur comportement est pour le moins étrange. À moins que... Je viens d'avoir une idée. La mère, en voulant soigner son fils, a découvert quelque chose dans le sang, a déclenché l'appel des rats, et en fait, comme ils essayaient de rattraper le sang parce que ça l'a attiré, bah ça a tué tout ce qui s'approchait plus ou moins de Hugo, quoi. Ou tout ce qui était hostile à Hugo. Et comme moi, j'étais pas hostile, bah ils m'ont pas agressé. Pour l'instant, c'est ce que je comprends ou... Ok, je pense qu'il faudra descendre le truc jusque-là pour pouvoir traverser. Mais je trouve ça bizarre. Ok, d'écueil. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. Ça marche mieux avec des cailloux. D'accord, j'ai compris. J'ai libéré le truc, ça a poussé les rats. Et on peut passer. Ok. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que les rats, ils sortent de trous. Ils aiment l'obscurité, mais ils n'apparaissent pas forcément dans l'obscurité. Encore des rats. Le domaine est droit devant. Ok, alors, je regarde. Par là, il faudrait que on monte. Là, je vois un truc qui va devoir... Ouais. Je vois à peu près. Alors, je pense pas que être discret soit important ici, vu que c'est que des rats. Ok, là, il y a des rats. Alors, le truc anti-rat... c'était ça. Voilà. Ok. Ok, ça valait le coup. Ça valait le coup. J'ai de quoi en recrafter un ou pas? Oui. Ok. Ça valait le coup de récupérer ça. Il me manque quoi? J'allais dire de l'huile. De l'alcool, de la peau et de la corde. Du tissu et de la... Du caillou... De la soufre. Alcool, corde... Ouais, il me faut quand même... Ok, là je vois des rats. Wow, 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 wow. Tout calme, hein, le rat, tout calme. Là, une porte. Oui, je vois une porte, oui. Et donc oh, fermé. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne. Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Ok. Je peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Alors, je prends le machin à feu déjà. Ok. Euh...
Là-bas, est-ce qu'on voit quelque chose? Je vois pas forcément quelque chose d'utile là-dedans. Dans la maison, il y a peut-être quelque chose. Attends, tu peux pousser? Je voudrais la lampe, s'il te plaît. Ok. Tu me lâches pas, hein? Je m'en sortirai pas ici sans toi. Wow. J'y suis, n'oublie pas. Ok. Comme ça. Mais moi, je préfère déjà aller récupérer ce qui est derrière. Non, pas besoin de t'accroupir. Non, non, non. Hop. Poussez-vous les rats, poussez-vous les rats, poussez-vous les rats. Ok, à peu près là. Ok. Et moi, ma tante, voilà, ma tante qui m'a donné ça. Ah. Donc, ça fait pas ce que je pensais. Alors, je veux bien tenter un truc, mais j'y crois pas trop. Ah, je savais bien que... Le calame de mer. Ok. Non, Elle écrivait ses lettres ici. non, non, non! Comment j'étais censé faire ça en fait? Cordera, le domaine est droit devant. Non. Ah. Ok. Ok, je peux fabriquer un truc? Non. Toujours pas. Mais je peux m'en refaire un. Ok. Ok. Alors, attends, je regarde. Là, je vois pas grand-chose. Inventaire plein. Ok, alors je me dépêche. Le calame de mer. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Ok. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je Ok. crois qu'elle serait touchée que tu... Là, une porte. Fermée. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne. Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. Ok. J'en ai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Ok. Bah, je suis prêt. Lâche pas, hein. Je m'en sortirai pas ici sans toi. Ça marche bien, le système. J'y suis. Ça marche bien. N'oublie pas. Ok.
C'est peut-être une question bête, mais... Merci. Bon, t'es passé ? Hop. Juste aller rechercher mon caillou. Ok. Lucas ? Oui ? On n'est pas seul. Qu'est-ce que t'entends par là? Ok, on peut pas faire tout le tour comme ça. Ok. Donc, il faut tourner dans l'autre sens. À peu près comme ça. Regarde, il est encore en vie. Quelqu'un, à l'aide. C'est les rats. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Eh, pitié de moi. Aucune pitié. Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Il est mort ou non? Alors... comment je suis censé faire ça? Ah, mais oui, je sais! Le machin pour attirer les rats! Voilà! Encore un? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non! Oh, pitié! Pitié, je t'en prie. Silence. Je te laisse à ton sort. Ok. Ok. Le truc pour attirer les rats, je sais pas, si je fais ça, est-ce que ça marche? Non. Ok, je suis pas sûr que c'était vraiment la meilleure solution, mais... Ok. Ok, ok, je regarde, j'essaye de looter tout ce que je peux looter. Ok. Ok, allez vite! J'aurais pu les tuer. Ils sont déjà morts. Et... J'ai assez de sang sur les mains. Oh mon dieu, est-ce que c'est réel? Ah! La maison. C'est encore là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Je sais pas si c'est son père. Parce qu'il me semble que son père, il avait été décapité style à la Game of Thrones, quoi. Il a l'air d'avoir une tête, non? Ou c'est moi? Est-ce que c'est ton père? Non. Ah oh, les rats. Ah oh. C'est nouveau ça. L'inifère. C'est quoi l'inifère? Je sais plus.
Ah, ok. Ah, ok, c'est moi qui... Calme-toi, le jeu. Je savais plus c'était quoi l'univers. Ok. Est-ce que c'est fini? On dirait. Tu nous as sauvé la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. Ouais. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Ok. Ok, bah je prends la torche. Pourquoi je la prends? Ah. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Ok. Est-ce que je peux looter des trucs? Non, il y a... J'ai pas l'impression de voir des trucs qui brillent. Ok. Père, ils ont pris son corps. Ils me l'ont pris. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû. Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, qu'il repose en paix. Ouais. C'est un peu triste quand même pour son père. Alors, d'après ce que je viens de voir, les rats maintenant peuvent faire des tornades pour éteindre les lumières. Ce cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends, oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure, les remous continuent de se propager dans le temps. Ok, je regarde, hein, tout ce que je peux looter, je le loot, hein. Mais c'est bizarre que, ouais, il y a un corps qui est resté comme ça, pas mangé. C'est pas normal. Après, c'est bizarre que quand même la structure est bizarre quand même. Elle aussi. Oui. Il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein, à moins que la maman, elle est trouver une solution pour éviter C'était à ton père. Oui. De se faire manger. Et elle en a distribué à tout le monde au fil des années, quoi. Pour que les corps, obtiennent une immunité, quoi. Ok, on monte. Eh, on se pousse, les rats. Rentrez chez vous. Ok, je vois. Eh bien, Luca. Luca, film. Ok. Oh, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Ok. Alors,
Tout ce qui brille. On va essayer de le looter déjà. Ok, je peux rien crafter de plus. Je regarde. Je peux toujours rien crafter de plus. Okay. Oui. Oups. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Personne n'est rentré ? Non, c'est pas ça. Ça non plus. Oh, non, Lucas. Rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte ? Non, c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien ? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Ça un me opus dit rien. Magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines. Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. Ok, Ouais, c'est quand même bizarre que... Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Lucas, on peut pas rester là. Oh, non, pas par là. Alors, on va refaire du feu. Voilà. Les tornades de rats. J'ouvre un chemin à droite. Oui, j'arrive. Lucas, tu as vu ces pots? Ah merde. Bon, je pense que j'aurais dû le faire avant d'aller explorer en fait. Non, je vais juste en refaire un, comme ça, tac, tac, tac. Y a rien d'autre qu'on peut looter ? Ils s'en vont ? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Oui, ben je la vois, la tornade de rats. Simples infusions, insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Ok. Pourquoi je peux plus avancer? Ah ok. Juste remettre des trucs de feu. Ok, tornade de rats. Je peux toujours rien crafter. Ah si, je peux crafter ça. Poche. Ça va me simplifier la vie. Alors, pense la structure. Ok, on peut avoir 22 matériaux de chaque maintenant. C'est cool ça. Avoir plus de place. Non mais ça aurait été plus pratique, je pense, avec une épée quoi. Juste, avance, ils peuvent revenir. Amicia, j'ai peur. Je suis là avec toi. Allez, il faut continuer. Ouais, enfin, je suis là. Vite fait, quoi, hein. Mon Dieu, c'est encore pire que ce que je pensais. Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça. Mais... Je sais,
On va y arriver. Ok, ça c'est des cailloux. Une fleur. Intact. Intact. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Ok. Il est où? Luca, t'es où? Je veux pas dire que j'ai peur, mais t'es où? T'es barré où? Luca? Ok. Ah, je vois. Allez, prépare-toi à courir. Alors déjà, là-bas. Allez, viens. On avance, allez. Il est où? Ah. Ok, je suis pas sûr que... Ok. Ah, cool. Oui, non, mais c'est bon, il est mort, j'ai compris. J'aurais dû, en fait, l'amener avec moi en premier, en fait. Alors, on est où? Ok, ça y est, je vois où on est. Donc. Prépare-toi à courir. Non. Ok. Je regarde. T'es prêt à courir? Ne bouge pas. Tu peux venir. Me voilà. Ok. C'est bon? Ok. Attends-moi là. Je t'attends. Oui, tu m'attends. Vas-y. Ok. Ok. C'est beaucoup en fait de la micro-gestion d'équipement en fait. Ok, ok, on peut rien crafter de plus, mais... je regarde... Ok, je vois ce que le jeu il veut qu'on fasse. Ah merde! Me suis trompé.
Ok. Donc. Prépare-toi à courir. Prêt. Là. Reste ici. C'est bon. Tu peux venir. Je suis derrière toi. Ok. Ok. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière. C'est le seul chemin vers les thermes. Voilà. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord. Hey! Mais prépare des munitions. Parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va. Oui, oui, t'inquiète, Luca. Ah. Allez. Non, non, sérieux. Ok, bon. Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions. Reste là, d'accord? D'accord. Ok. Ok. Voilà. Ah. Ah merde. Ok. Ok, ok, on va repasser par l'autre côté. Je pensais que ça a passé par là. Mais ça passe pas en fait comme je voulais. Ok. Mais non, mais non, mais non! Aide-moi, aide-moi, tire-moi la main! Ah, ça me saoule! C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. Oui! Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord. Mais prépare des munitions. Oh putain! Attends-moi là. Je t'attends. Ouais, vas-y, attends-moi. Moi, je fais le tour. Non, non, putain, mais je suis trop con! C'est bon. Reste ici. Je fais vite. Compris.
Ok. Mais non! J'en ai marre de ce jeu! C'est bon. Reste là, d'accord? D'accord. Ok. Là. Non. Ça, déjà. Ok, ça libère le chemin. Là. Putain, mais... Voilà. Ok. Je peux rien crafter. On revient en arrière. Bon. Ici. Non, je suis dans la lumière là. Oh, pousse le jeu. Le jeu. Ok. Allez, Lucas, on y va. Advienne que pourra. Ok. Mais non, mais... C'est bon. J'ai compris. Où ? Ah putain, je peux plus plus. Ah, je peux pas plus, hein, j'en ai pas d'autre. Ok. Je l'entends, hein, la tornade de rats. Non, 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 non! Ah, il est parti sans moi! Tu me mets où? C'est bon. Oh non! C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. Putain. C'est le seul chemin vers les fermes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions. Il est hors de question qu'on nous fait tout ça pour rien. Ok.
Ah bah d'accord. Reste là, Luca, reste là. Ok. Allez, Lucas, on y va. Advienne que pourra. Allez. Ok, il m'en reste 3. Ok. T'en as 2 rats, quoi. Elle est où? Ok. T'inquiète, tu vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, Lucas. Personne ne meurt avant qu'on ait atteint cette terre. Comme si on pouvait décider. Depuis qu'on se connaît, nos vies sont guidées par le chaos. Peut-être, mais c'est moi qui tire la foule. Alors calme-toi et pousse. Ok, j'en ai 4. Ok, ça passe. Alors je dis pas grand chose parce que je suis un peu concentré quand même. La lumière là-bas, les terres, on y est presque, Lucas. Amicia, je réfléchis. Je crois que. Toi, Lucas, toutes ces attaques, c'est pas trop le moment là. C'est pas ce qu'on est. On est sur la bonne. Non, 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 non! Putain de jeu de merde! Laisse-moi récupérer le matériel avant de me tuer! C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai, voilà. Prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Ça. Mais non, mais sérieux, le jeu, j'en ai marre! Bon. Allez, Lucas, on y va. Putain, mais il est où, lui? Putain, mais... Pourquoi il s'est barré, ce con?
tu pourras. Ok. Ok. Seul vivre. Tu sens ? Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde. C'est bon. J'ai compris. On regroupe. Je m'en occupe. Oui, ok. Je dis pas que c'est une zone facile, hein. S'est mis juste devant moi, ce con. Au moment où je tirais. J'en ai marre de refaire, ça fait peut-être 20 fois que je refais ce truc. Ah, oh, ça me saoule. Oui, une rivière de rats, oui. Voilà, hop, on passe. Mais non, non, putain, mais qu'est-ce qui m'a suivi, ce con, cette fois? D'habitude, il me suit pas et là, il m'a suivi. Mais qu'il est con, ce gosse! C'est bon, reste là. Reste là. Je t'attends. Bon. Non. Ah. Ok. Alors, on refait plein de potions. Voilà, j'en ai 5. Bon. J'espère juste qu'avec 5 ça va suffire. Bon. Oui, je sais, c'est lourd. Mais pousse. Juste un effort. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Ils vont arriver là. Ok. Non, non, non. Vous me mangez pas le cul? J'en ai marre que vous me mangez le cul. Ok. Oh, il m'en reste une. Ça va être chaud, quoi.
Mais tu vas pas mourir. Quatre. Quatre, ça va être chaud, hein, mais bon, ça passe. Ok. Deux, il m'en reste. La lumière là-bas, les terres, on y est presque bien. Amicia, je réfléchis. Plus qu'une? Je crois que... C'est quoi, Lisa? Toutes ces attaques, c'est pas trop le moment là. C'est pas retourné. On est sur la bonne voie, oui. Et il faut encore plus vivre jusqu'au bout. Enfin! Eh, Lucas, viens! Merci. Merci, Lucas. Tu vois, sacrément costaud. Bravo, Lucas! Je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça. Allons-y. Non. Allons-y. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais Arthur a dit qu'elle était en vie, non? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle est encore en vie. Mais... Ah oui. Il l'a... Je sais. Mais pense à ton frère. Il faut qu'on avance. On se souvient, je crois que c'est dans le premier épisode. On est arrivé, et là, ah, il y a juste un petit détail qui manque, le trou dans la porte. Parce qu'en fait, on était contre la porte, et il y a une épée qui a traversé. Et je pense que c'est Lambert qui a pris l'épée, quoi. Bon, c'est bon, tu suis ? Ok. Ça me rappelle mon enfance. Ah. Tant mieux. Parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Mm-hmm. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Mais s'il y a des corps là, ça veut dire qu'ils sont venus jusqu'ici, les gens. Alors ça va libérer les rats. C'est pas forcément une bonne solution pour moi, dans l'immédiat. Ah, un truc qui brille. Ok. Là. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Oui. Fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui ? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ah oui. Ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. On va pousser ça. J'arrive. Ah. Ok. Faut que je trouve une solution pour les rats. Alors. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle. Là, y'a rien, là, y'a rien. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. Okay. On va trouver. Ok, tu vas me dire Justinien. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait.
On peut pas passer, non? La peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui. Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Ces termes ont été construits par des Romains au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Alors. Je vois pas trop comment je suis censé. Lyra, Amicia, si tu les croisais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Là. De l'autre côté de la lumière. Ok. Ah. Alors, ça doit être ça, mais je me suis trompé. Voilà. Viens m'aider. Viens. Ok. Et donc... ouais, je vois pas trop ce que ça m'a avancé de faire ça en fait. J'ai pas de torche. Regarde. Là, là. Bah, je sais pas trop en fait. Ok, on a poussé ça, mais je vois pas en quoi ça va m'avancer plus en fait. Je peux pas prendre la torche. Ouais. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire, hein. Je suis pas sûr, hein. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. Ok, Justinien. Regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Oui. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus.
Donc, ce que je comprends, après, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Il faut bloquer les rats dans le couloir là-haut, ok. Mais une fois que c'est fait, ben, je vois pas ce qu'il faut faire en fait. Oui, ok, oui, non, mais ça j'avais compris. Ok. Ok. Et donc, une fois que j'ai fait ça. Alors, j'ai peut-être une idée, mais j'y crois pas, hein. Alors, j'ai peut-être une idée. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais... Ouais. C'était pas forcément ça qu'il fallait faire. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Ah oui. Ça. 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 Ok. Alors c'est bien beau que j'ai trouvé ça. Parle de Justinien, vas-y. Ça ressemble à la morsure. Une Mais fresque là, je suis un peu gothique. bloqué parce que je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait. La peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. C'est un peu Mais le bizarre. massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Ouais, nous non plus. Donc, j'ai bloqué les rats de l'autre côté, ok. Mais après, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. J'ai compris, il faut que j'aille là. Mais je sais pas. Comment je suis censé me débarrasser des rats? Si j'avais une poudre, je pourrais exploser et puis passer en fait. Mais j'ai pas la poudre. Alors, est-ce que soit j'ai raté la poudre, soit il y a un truc que j'ai pas assez compris. Ah. Ok, je peux passer là. Je suis pas sûr que c'était vraiment utile, mais bon. Je cherche, je réfléchis. Il y aurait eu des bâtons, je pourrais pousser les rats avec les bâtons, mais j'ai pas de bâton. Alors là, je suis bloqué.
Bon bah, 2 secondes, je regarde la soluce, hein. Je vais regarder la soluce. Parce que là... Alors... Plague. Tel innocent. Alors, attendez. Plague tel innocent... soluce, ok. C'est bizarre. On est au chapitre... Tout ce qui reste, 12. Blablabla, bla bla, là on a fait ça, ça, on est dans le château, là il pousse. Ok, alors, une fois que vous êtes au bout, allez en direction du laboratoire. Non, non. En sortant, vous pouvez récupérer un quin de feuille et renforcement. Alors, Lucas va pousser le chariot, vous déunez Hera avec l'Inifer, non? Il y a 2 vagues, une à gauche, une à droite, en simultané. Trouvez un. Une fois que vous êtes au bout, allez en direction du laboratoire, vous placez le chariot. Pour déplacer le chariot en bois, utilisez le sort Luminoa sur les rats pour ouvrir le passage. Mettez en même temps un déboulé. Et faites en même temps pour déboucher l'ouverture du... Attends. Une fois que vous êtes au bout, allez en direction du laboratoire. Pour déplacer le chariot en bois, utilisez le sort Luminosa sur les rats pour ouvrir le passage. Faites-en de même pour déboucher l'ouverture du tunnel. Ok, Luminosa, ils disent. Ok, Luminosa. C'est quoi le sort Luminosa? Luminosa. Ah, ok, c'est ça, Luminosa. Donc, j'ai pas ça. Luminosa. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas autre chose parce que là, le sort Luminosa, j'ai pas ça moi. Ok, donc il semblerait que je sois un peu bloqué. Luminosa. Parce qu'en gros, il faut le sort qui explose, quoi. Attends. Peut-être que en revenant en arrière, je trouverai quelque chose d'utile. Alors, attends. Je regarde. Si je vois pas un truc qui brille, qui pourrait m'aider pour faire le Luminosa, quoi. Ouais, je vois rien. Hein. Ouais. Eh bah, soit je suis bloqué, soit il faut que je trouve une un moyen de passer. Alors, ok, en bourrant ça passe pas. Je tente, hein, je tente des trucs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. C'est bizarre parce que d'habitude, regarde. Quand il faut faire un passage un peu risqué, il nous file les trucs. De Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable
qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette phrase n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Alors, attends, je regarde. Parce qu'en fait... j'aurais eu le sort de, d'explosion. J'aurais éteint, j'aurais lancé là pour qu'ils viennent tous ici. Ah, Amicia, si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Mais j'ai pas ça. Bon. Réfléchis. Je réfléchis à une solution. Ok. J'ai réfléchi en fait avec ce que j'ai. Parce qu'en fait, faudrait que. En fait, les rats, ils sortent du truc. Je réfléchis comment je pourrais faire ça. Ouais, ça fait rien au rat, ça. Ouais, ça a pas l'air de leur faire du dégât, quoi. Bon. Bah, il semble que je sois bloqué, hein. Je peux tenter un truc. Ok. Ok, ils sont tous là. Alors, c'est peut-être une solution très con, mais si je fais ça... Ah, ils viennent pas, hein. Ouais. J'en aurais un de plus, j'aurais pu faire le truc qui explose, quoi. Ouais. Bah... Est-ce que ça serait la fin du jeu parce que je suis bloqué et je peux pas avancer? Parce que dans la solution, ils me disent de faire un truc, mais j'ai pas le matériel pour le faire. Je peux pas te rejoindre là. On va pousser ça. J'arrive.
Ok. Ah, j'ai une solution, mais je suis pas sûr que ça marcherait. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. J'aurais une solution qui serait en fait. Je fais comme d'habitude, comme prévu. Je pousse les rats là-haut. Ok. Bon. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui ? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Donc, ma solution, c'est on ouvre, ok ? Et il faudrait qu'en fait, j'éteins, comme ça les rats ils reviennent là. Je balance une potion à peu près, on va dire, ici, pour que les rats ils viennent tous s'agglutiner là, et nous on court dans l'autre sens. Alors, c'est une solution. Je dis pas que c'est viable. Ok, alors on attend un petit peu. Et... Go ! Ok, ça passe. Ça, c'est le sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures ! Quoi ? Les animaux alchimiques ! Il y en a aussi okay. Dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures. Il y a du feu là-dessous. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Ok, c'est quoi ça ? Le signe. Imposant et gracieux. Lucas, une autre fresque. Une femme enceinte. Ouais. C'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. C'est une sorte d'alambic, non ? Une alchimiste ? Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation, le creuset ou le four à l'utérus. Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte. Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et donc ? Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que tu es heureux là où tu es. Serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Le crapaud, toujours aussi moche. Ok, alors. Là, près du symbole éclairé, les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Ah oui, ok, ça y est, je vois. Ok. Bon. Je suppose qu'on peut aller là. Oh, il manquait plus que ça. Hey, qu'est-ce qui se passe ? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Ok. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça ? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. Ok. On va le faire petit à petit. On va explorer chemin par chemin. Oh, je ne te vois plus. Reviens. D'accord. Ok. Ok. Donc,
J'ai exploré un côté déjà. Ok. Par là, je regarde. Y a rien. Oui, je reviens. Ok. Ok, par là on peut pas. Y. Bon bah je suis mort. Ok. Ça, c'est le sudatorium. Oh non, ils vont pas me refaire tout à chaque fois. Grâce à de la vapeur, oui, c'était. Oh regarde, ces sculptures. Quoi? Des animaux alchimiques. Ok. Son symbole, bassin, c'est aussi la putréfaction. Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures. Il y a du feu là-dessous. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Le crapaud. Ok. Toujours aussi moche. Le cygne. Imposant et gracieux. Lucas, une autre fresque. Une femme enceinte. Mais c'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. Ouais. J'aurais pas dû, en fait, bon, on l'a vu une fois, j'aurais peut-être pas dû refaire, parce que c'est un peu long. Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation, le creuset ou le four à l'utérus. Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte. Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que le serpent. Il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Ok. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça? La lumière, j'attends près des bassins. Courage. Ok, alors, on va essayer de se dépêcher. C'est pas loin d'un symbole. D'accord, j'avance. Tu vois quelque chose? Voilà. Ok. Hey, je ne te vois plus. Reviens. D'accord. Ouais, t'inquiète. J'explore de nouveaux horizons. Ok. Là. Tu vas prendre l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Ok. Vite. Voilà. La purification. Tous les bassins sont éclairés. Tu peux revenir. Ouais, je peux revenir. Tu y es prêt. Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas. J'aurais jamais cru que je survivrais jusqu'ici. Que je me retrouverais là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein. C'est ça le pire. Rien de tout ça n'a l'air réel. Ok. Pam 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 pam. Non, y a rien par là. Non. J'ai voulu être greedy. Ah. Ok.
J'ai voulu trop en faire et puis finalement. A révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapaud, cygne, serpent sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Ok, alors attends, c'est quoi ? Le symbole là, le symbole là, le symbole là. Dans sa gueule, peut-être ? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Oh ! Alors en soi, c'était pas difficile. Ça a beaucoup été moi qui fais n'importe quoi. Je n'y vois rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Voilà. Ah. Des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien, bien. Ok. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où ? À quoi ça ressemble ? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant dans les bras de sa mère. Mais ces marques sur son torse, Lucas. La prima macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois ? Qui sait ? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Ok. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Des cailloux ? Quelle boîte ? Ah ! Ok. Cloc, cloc. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Mais l'ouvre pas ! Quoi ? Elle est pas chaude. Lucas ! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est ? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Petit truc, si c'est une maladie qui se... un truc qui est dans le sang, bah c'est que c'est dans la famille depuis un certain temps, donc je pense que... il doit sûrement avoir un livre familial qui se transmette sûrement de femme à femme dans la famille et bah que à chaque fois on va dire par exemple au moment qu'une femme par exemple la première femme devient arrive à l'âge adulte, sa mère l'initie au truc à l'alchimie pour que en fait elle puisse à son tour, enseigner à sa fille plus tard, pour qu'en fait, trouver une solution pour réduire, pour ça quoi. On peut peut-être s'en servir. Avec le livre et mes préparations, je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Oh oh. Pourquoi elle m'a rien dit ? T'es pas encore mûr. J'aurais compris. J'aurais pu. Aïe. Quoi ? Qu'est-ce que t'as cassé ? Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'est
été une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Pourquoi les rats arrivent? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du sol. J'ai trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse. » Béatrice se trompait. Ça. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. Le rideau, c'est là. Ok. Lucas, j'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je suis même pas sûre comme... Oh, oh, c'est bien. Oh, c'est atroce. Oh. Oh. Lucas, j'ai trouvé. Parfait, remporte-le. Ça commence. Il prend groupe. Allez, on va réveiller ce phénix. Doucement. On va les trouver. On nous manque. Ils reviennent. Tiens bon, on y est presque. Ça arrive. Les tornades de rats. Légère altération de la couleur. Ok. Non mais, pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Pourquoi ajouter pour retrancher? Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics. Eh bien, soit tu n'es pas pour les alambics. Amicia, ils vont éteindre le brasier! Alors ça jamais! Ok. Attention! Michel, cours! Ils sont où? Ok. Vous en voulez aussi? Vous savez ce qui se passe ici, hein? Mais vous n'arrêterez pas le cours de l'histoire! Allez, on s'y remet! Oh, Lucas, fais pas de bêtises! Je sais ce que je fais! Enfin, je crois! Enfin, je crois. De toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout! Alors, c'est Lucas, bon, attention! On essaie de chauffer le ventre du cuivre. Allez, allez. Et la vérité s'écoulera de la gueule. Allez, moi c'est le plus pur. Voilà. Ah merde. La porte du soleil. Ah merde, trop tard. J'ai raté le truc. Ok, Luca est mort. C'est pas vrai. Pourquoi maintenant? Luca, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au rayon du soleil. Ah. Elle avait trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse. » Béatrice se trompait. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Le rideau, c'est là. Oh. Il y a trop de peau, Lucas. J'y connais rien, moi. Okay. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je suis même pas sûre que mon nez fasse... Ah, ça, ça sent pas bon. Mais ça sent pas si mauvais. Poivre? Menthe? Non, il doit y... C'est quoi, ça? Aucune idée, ça sent rien du tout. Oh. J'avais trouvé du premier coup, en fait. Oh, c'est bien. Oh, c'est atroce. Oui, ça commence. Il prend groupe. Allez, on va réveiller ce phénix. Vas-y. On va te retrouver. Elle me manque. Tiens, on revient, on y est prêt. Ça arrive. Je
Non, mais pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Il faut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux autres. Amicia, ils vont étendre le brasier. Alors ça, jamais. Ok. Ok, vas-y, tire dedans. Vous savez ce qui se passe ici, hein? Je vous n'arrêterai pas le cours de l'histoire. Allez, on s'y remet. Oh, Lucas, fais pas de bêtises. Je sais ce que je fais. Enfin, presque. Enfin, je crois. De toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors, c'est bon. Ok. C'est la vérité, ça pleura de la gueule. Allez, donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà, la porte du soleil, le flambeau du porteur. Amicia, ouais. Ramène-moi, tout de suite. Ok. Vas-y. Ok. Je n'ai plus rien. Lucas ! C'est faire. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai réussi. Et c'est comme s'il le savait. Oh. Ne traînons pas ici. Alors. Et je suis sûr qu'ils vont avoir peur de la potion maintenant. Ils vont tous reculer. Oh. C'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Ok. Les jumeaux? Ah non, c'est pas les jumeaux. Ok. C'était une mission longue. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Vite, plutôt. Oh, je sais pas pourquoi je sens qu'il s'est barré. Ah, non. Ouf. Je me dis, ça y est, il s'est barré parce que il a entendu que sa mère... Réussi, regarde, l'élixir. Il va être souris. Qu'il a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia? Maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo... Tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. Ouais, enfin. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Moi, je te dis, au réveil, il va être barré.
chapitre 10, 11, 12, 13, pénitence.